Salut tout le monde, c'est Mister de White Knight. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série sur un tout nouveau hack qui s'appelle Pokémon Dark Violet Version. Donc en français ça donne Pokémon Violet Noir, hein, bon c'est pas cool. Donc on va rester en français, en anglais avec Dark Violet. Donc je vais, avant de commencer, je vais vous lire un peu le scénario de l'histoire qui a un petit peu changé. Donc déjà c'est une hack de Pokémon Rouge Feu qui pour l'instant est en bêta 2. Donc en 2014 qui est en bêta 2. Donc voilà, donc maintenant je vais vous lire un peu l'histoire qui est un petit peu différente, mais pas énormément non plus. Il y a juste des héros différents, des choses comme ça, donc je vais tout de suite vous lire l'histoire. Par contre, m'en voulez pas, hein, je traduis en même temps parce que j'ai pas traduit avant. Donc je vais traduire en même temps que je vous lis ça, moi je l'ai en anglais, je vous le traduis en français. Donc ce monde est habité de long en large par des créatures appelées Pokémon. Pour certaines personnes, les Pokémon sont des animaux. D'autres les utilisent pour se battre, pour combattre. Il y a de nombreux mystères qui les entourent et ils sont un sujet de recherche populaire. D'autre part, des humains vivent en harmonie avec les Pokémon et they have done so for ages. Et ils ont fait ça depuis bien des années. Cependant, trois adolescents, deux venant du Bourg-Palette et un autre plutôt, depuis Jadiel, Viridian City, ont décidé de voyager à travers la région de Kanto et de collecter les 8 badges de Kanto. Et de relever le challenge de la Ligue Pokémon. Les noms de ces jeunes adolescents sont Red, Green and Blue. Donc rouge, vert et bleu, ce qui est toujours moins cool en français. Et ils ont chacun reçu un Pokémon du Professeur Chen, de Professeur Oak. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend, such as increasingly thrilling, ainsi que l'organisation. Ainsi que l'organisation qui menace de plus en plus et qui est appelée la Team Rocket. Tous les trois vont rencontrer beaucoup de gens pendant leur voyage. Certains vont les aider, such as la sœur aînée de Blue, Daisy. Mais ils vont aussi rencontrer Camon, Camon, je sais pas comment on prononce ça. C'est ce écrit K-A-M-O-N. A young boy who claims un jeune homme qui who claims qui ah ça m'échappe qui ouais qui dit qu'il va dissiper la Team Rocket et qui est toujours sur leur chemin. Quelles sont les raisons de Camon, ou plus important que cela, qu'est-ce qui motive la Team Rocket? Donc voilà à peu près le pitch, hein, j'espère que vous aurez compris. Donc en gros, c'est nos trois héros, Red, Green and Blue, qui vont justement voyager à travers Kanto pour récupérer les 8 badges, pour aller vaincre la Ligue Pokémon. Jusque-là, rien de particulier. Et donc, ils reçoivent leur Pokémon du Professeur Chen. Ils vont rencontrer des gens qui vont les aider, comme la sœur aînée de Blue, qui est Daisy. Mais ils vont aussi rencontrer ce fameux Camon. Donc, ou Camon, je ne sais toujours pas comment on dit, ce petit monsieur qui va vouloir détruire la Team Rocket. Mais qui est Camon? Quelles sont ses raisons de vouloir détruire cette Team Rocket? Et qu'est-ce que la Team Rocket fait ici? Donc voilà ce qui nous attend en fait dans cette ROM. Donc tout de suite on va commencer, on voit que le Pokémon légendaire principal sera Mewtwo. Hey, salut! Heureux de te rencontrer! Bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Shen. Les gens aiment me référer affectueusement au professeur, comme étant le professeur Pokémon. Ce monde est habité... Voilà, donc ça c'est le texte que j'avais en fait sous les yeux. Ce monde est habité de long en large par des créatures appelées Pokémon. Pour certaines personnes, les Pokémon sont des animaux, et d'autres les utilisent pour se battre. As for myself, pour moi... Ou pour mon cas, voilà. J'étudie les Pokémon et j'en fais ma profession.
Mais d'abord, apprends-moi-en un peu sur toi. Donc comme d'habitude, hein. Maintenant, dis-moi, es-tu un garçon ou une fille? Ah, bah, je suis toujours un garçon. Alors, maintenant, tu veux connaître mon nom? Alors, non, c'est ça que je veux. Donc on ne va pas changer, on va toujours prendre ce surnom tout pourri que je ne lirai pas pendant les dialogues parce que j'ai pas envie et que voilà. Et qu'un de ces jours, il faudrait que je trouve un surnom. Ce sera mieux. Ok, so, voilà ton nom. Et ça, c'est mon petit-fils. Il est ton rival depuis que vous deux êtes enfants. C'est quoi son nom déjà? On va mettre Blue. Blue? Oui. Ah, c'est vrai, je m'en rappelle maintenant. Son nom c'est Blue. Ok, merci grand-père, c'est cool. Your very own Pokémon legend is about to unfold. Ça sonne bien quand on le dit en anglais. Ça fait ta propre légende Pokémon est sur le point d'éclater, quelque chose comme ça. Un monde de rêves et d'aventures avec les Pokémon qui t'attendent. C'est parti! Ok. J'aime bien la musique. Je crois qu'elle est différente des versions originales. Toulou. You need to get ready. Tu dois être prêt. Le professeur Shen a dit qu'il allait te donner un Pokémon avant que tu quittes. Avant que tu nous quittes, on peut dire ça comme ça, pour ton voyage. Waouh, est-ce que j'ai vraiment dit ça? Je peux pas croire que ça arrive. Mon petit, nous quitter pour partir voyager à travers la région de Kanto et pour challenger la Ligue Pokémon. Je devine que c'est vrai. Tous les enfants doivent grandir un jour. J'ai vu ça à la télé. Ok. Tu dois partir. D'abord, on va commencer par... Non. Ouais. Alors, on va augmenter ça. Ça, ok. Ça, c'est bon. Bon. Allez, on va mettre stéréo parce que je suis un fou. Et bon... Ouais, dans le premier, c'était très bien. Voilà. Donc, une chose que j'ai pas précisé, c'est que cette ROM est intégralement en anglais et n'a pas de patch pour une traduction française. Donc, si vous voulez y jouer, ce sera uniquement en anglais. Vous retrouverez dans la description le lien pour télécharger la ROM. Et puis voilà. Non, avant. Il va falloir qu'on s'en aille. Parce que ça fait comme dans les jeux originaux, hein, pour pouvoir déclencher l'événement, il faut s'en aller. Attends! Ne va pas par là. Bon, tant pis, vous aurez compris. Les Pokémon sauvages vivent dans les hautes herbes. Est-ce que ta maman ne t'a pas dit que je devais te donner un Pokémon avant que tu partes? Allez, viens avec moi. Unsafe, ça me revient pas. Ce n'est pas en sécurité. Ce n'est pas sécurisé, ce n'est pas sûr. Voilà, c'est ça. Ah, c'est dur. Comment je pourrais traduire ça? Grams, papy? Ouais, papy. J'en ai marre d'attendre. En gros, ça me fait chier, quoi. I see what's happening. Je vois que nous devons toujours travailler sur cette attitude, sur le problème d'attitude que tu as, Blue. Bon, c'est pas grave. Anyways. Ouais, attendez. Où est Green? On est toujours en train de traîner. Mais en même temps, non, je vais rien dire. Je risquerais de me faire des ennemis. Juste là, professeur. Ok. Maintenant que nous avons tout le monde ici, nous pouvons commencer. Allez, tout le monde. Vous voyez ces trois Pokéballs derrière moi, derrière la table, enfin sur la table derrière moi. Chacune d'elles contient un Pokémon. Quand j'étais jeune, j'étais un dresseur Pokémon très sérieux. Avec le temps, non seulement je suis devenu un dresseur talentueux, mais je suis devenu un des meilleurs chercheurs Pokémon. Attends, j'ai du mal avec les mots. Cependant,
Vous n'êtes pas ici pour m'entendre blablater sur mes achievements, sur mes... Ah! J'ai plus le nom. Sur mes achievements, oui, j'ai plus le nom. Mais vous êtes là pour commencer votre propre légende. Les trois Pokémon derrière, sur la table derrière moi ont juste été capturés, ont récemment éclos deux Pokémon. Each one of you may pick one. Chacun d'entre vous devra en choisir un. Choose. Hey, papy, c'est pas juste. Et moi alors? Were you listening to what I said? As-tu écouté un mot de ce que j'ai dit? J'ai dit les trois dont chacun d'entre vous devra en choisir un. J'en ai marre de cette attitude, Blue. Non, enough of the attitude, Blue. Ah non, c'est arrête, stop cette attitude, Blue. Ou je risquerais de changer ce que je viens de dire. To change my mind. Donc on a Bulbizarre. On a Carapuce. Et on a Salamèche. Alors, on va commencer, je sais pas trop, on va prendre Carapuce, hein. Parce que j'aime bien les Pokémon O pour commencer. Si, je le veux. Ce que je veux, c'est pas les données de surnom. Non, pas de surnom. Donc toi, tu prends Bulbizarre. Et Green, toi tu prends Salamèche. Cependant, il y a... There is something I need taken care of first. Il y a quelque chose dont je dois m'occuper. Et il y a quelque chose dont j'ai besoin. There is something I need. Il y a quelque chose dont j'ai besoin du centre Pokémon de Jadiel. Vers la route de Jadiel. Oh, pardon. Que j'ai commandé là-bas. Si l'un d'entre vous pouvait récupérer ce colis, j'aimerais beaucoup. Hein. Franchement, ça m'aiderait. Merci. Bon bah, je suppose que ça va être à nous de nous en occuper, hein, comme d'habitude. Parce qu'il a deux autres feignasses avec lui. Donc on va pouvoir y aller. Et il n'y a pas eu de combat, c'est bizarre. Ah, si. Attends. Let's check our Pokémon. Regardons nos Pokémon. Allez. Je vais pas m'amuser à tout traduire, parce que sinon il y en a pour un moment. Vous m'entendrez plus blablater qu'autre chose. La musique est sympa. J'aime beaucoup. Bulbasaur. Bon, on va faire charge, hein. J'aurais espéré être plus rapide. Mais je fais plus de dégâts. Et je suis plus rapide ce coup-là. Ok. Et voilà, coup critique. Magnifique. Et ce coup-là, vous remarquerez, je n'ai pas fail comme dans Pokémon Ambre Rouge. C'est inadmissible ce qui se passait là-bas. Quoi? C'est incroyable! J'ai choisi le mauvais Pokémon! Ouais, c'est ce qu'on dit quand on est mauvais. Ce n'est que le commencement. Regarde. Just watch. Je vais entraîner mon Pokémon le plus fort que je peux. Je réussirai le challenge de la Ligue Pokémon avant l'un de vous deux. J'aime bien la musique, mais elles sont cool ces musiques. Donc deuxième combat, on enchaîne ce coup-là contre Green. Donc on aura deux rivales pendant tout le long de l'aventure. Charmander. Ah ça va, j'ai récupéré tous mes PV. Oh la vache, critical hit dès le début. Ça pue. Ouais mais deux coups critiques de suite, c'est quoi ces conneries? Bon bah tant pis. Deux critiques de suite, alors ça par contre c'était juste pas de chance en fait. C'est dégueulasse. Puis je vais pas recommencer juste pour ça. C'est pas grave. Tant deux coups critiques de suite, et j'aurais dû me taire en disant que j'avais fait un meilleur début que Pokémon Ambre Rouge. C'est dégueulasse. Pourquoi les gens ils m'en veulent comme ça? Ah, on recommence en plus. Ok. Faut que je me retape les deux combats, génial. Youpi. Bon allez.
Soyons sérieux un moment. Bon, celui-là tout à l'heure, j'ai passé sans problème. S'il me refait pas de coup critique, normalement c'est bon. Hein, pas de raison que je n'y arrive pas. Voilà! Ça, c'est bien! Voilà! Niveau 6! Ce coup-là, je le désingue, le Charmander. Oui, tu as choisi le mauvais Pokémon, on est tous au courant. Oui, ce n'est que le commencement, etc. Blablabla. Allez, next. Toi, ce coup-là, je te démonte. Putain, mais ces musiques, j'adore. Elles sont trop cool. Je suis fan. Allez, c'est parti. Ah bah c'est déjà mieux quand il n'y a pas tout critique dès le début. Ah là là. Voilà, c'est déjà tout de suite mieux. Et en plus niveau 7, c'est magnifique. Et j'apprends bulle de écume. Bubble. Waouh. C'était un incroyable premier combat. Je ne suis pas un mauvais perdant, like Blue. Comme Blue. Oui, vas-y. Si je compte traduire, ça m'arrivera ça. Ne dis pas à Blue que tu m'as battu, que tu m'as combattu. Tu dois réaliser qu'à ce point, qu'à ce moment, nos Pokémon ont battu deux batailles. On a déjà combattu deux fois, on peut dire ça. Donc mes Pokémon ont combattu deux fois pendant que ceux de Blue et Green n'ont combattu qu'une seule fois. Ce qui veut dire que tu es déjà le plus fort de nous trois. Et ouais. Maintenant je n'ai pas de problème avec ça. Et il faut qu'on aille à Jadiel pour récupérer ce fameux colis. Oh, gâche tout ça. Ah mais je suis fan de ces musiques remixées. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Tail Whip si tu veux. Bon, j'essaierai de traduire les dialogues les plus importants, ceux des champions, etc., des rivaux. Je vais pas m'amuser à tout traduire hein, parce que vous voyez déjà la galère que j'ai. Ou alors faudrait que je les prépare à l'avance, mais bon, ça voudrait dire faire en gros l'épisode deux fois. Ça m'intéresse pas vraiment. Surtout dans mes contraintes de temps que j'ai, ça m'intéresse pas du tout. Donc j'y vais aller au feeling comme ça. Pour les traductions, j'essaie de faire le plus précis possible en fait, mais bon, voilà. J'espère qu'on en voudrait pas trop. Je pense pas. Y'a personne qui donne des potions ici? Oui, donc toi tu nous apprends à sauter par-dessus les barrières, ok. Oh, un pigeon! Bon allez, je vais zapper un peu parce que c'est loin d'être intéressant tout ça. J'aimerais bien au moins récupérer le paquet et le donner au prof Chen dans cet épisode, hein, ce serait pas mal pour un bon début. Toi tu donnes pas de potion. Oui, au nord il y a ça, ok. Donc comme vous l'aurez remarqué, la route a changé. Hein. Ah ouais, si les musiques sont vraiment cool. Je sens que je vais m'éclater à faire cette ROM. Enfin ce hack. Parce que les maps ont été refaites, etc. Les maps, les musiques... Hey, tu viens du Bourg-Palette? Tu connais le professeur Chen, hein, c'est ça? Il nous a commandé ça. Ah non, c'est son colis, sa commande est arrivée. Est-ce que je peux te demander de lui apporter? Mais pas de soucis. Parce que de toute façon, j'ai pas l'air d'avoir le choix, donc pas de soucis. Allez, on zappe un peu aussi. Voilà. Ce sera mieux si on... Bah si on a les chaussures de course, déjà, ce serait cool. Mais je pense que oui, maintenant, dans tout, sous les trois quarts des hacks, il y a les chaussures de course. Donc j'espère que oui, ce coup-là. Oh! Des baies? Ah ouais, des baies au rang. Qui ressemblent un peu aux arbres à noix grumes dans Pokémon...
or, argent, cristal, or, argol et source et soul silver. Dur à dire. Ah, je suis vraiment fan de ces musiques. Ça fait au moins 4 fois que je le dis, mais c'est pas grave, j'assume. Ah, toi, tu me donnes une potion. Ouais, même des potions. Oui, non, mais c'est bon. Comment va mon vieux Pokémon? Ok, bien. Il semble grandir. Attends. It seems to be growing more attached to you. Son. Ouais. Il semble grandir. Ouais. Ah non, il semble que son attachement pour toi est de plus en plus grand. Ah, tu dois être talentueux et j'ai pas lu le reste. What's that? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le colis! Et voilà, on lui donne le colis. Ah, enfin! Des lava cookies. Tout ça pour ça. Je les ai fait importer de la région d'Oen. Papy! Ah, mais alors lui, je supporte pas. Ah, j'ai failli oublier. Pourquoi tu m'as appelé? For you guys leave for your journeys. Avant que vous partiez pour votre voyage, j'ai quelque chose de plus à vous donner. Cependant, j'ai besoin que vous soyez ici tous les trois. Attendons Green. Ah, ces femmes, je vous jure. Ne voyez rien de personnel là-dedans, hein? Ok. Maintenant, je suis sûr. Now, as I'm sure you. Maintenant. J'arrive plus à parler. Maintenant, et je suis sûr que vous le savez, pour relever le défi de la Ligue Pokémon, il faut obtenir les 8 badges de Kanto. In order to obtain. Pour obtenir ces badges, vous devrez battre les 8 Gym Leaders, donc les champions d'arène, les 8 champions d'arène. Does require traveling through. Ce qui vous demande de voyager à travers l'entière région de Kanto. Pendant votre voyage à travers Kanto, vous verrez de nombreux genres différents de Pokémon, enfin différents types de Pokémon. Sur mon bureau, à votre droite, un peu comme les hôtesses d'air, à votre droite, vous trouverez les sorties d'urgence. Bon, laissez tomber. Sur mon bureau à droite, il y a mon invention, le Pokédex. Le Pokédex vous permettra d'enregistrer tous les différents types de Pokémon que vous verrez. Blue, green, take this with you. Prenez ça avec vous. Vous ne pouvez pas obtenir de données précises sur les Pokémon juste en les voyant. Vous devrez les attraper pour obtenir des données précises. Voici donc quelques outils pour vous aider à capturer des Pokémon. Des Pokéballs, il y en a même 10. Quand un Pokémon sauvage apparaît, it's fair game. C'est simple. Lancez juste une Pokéball et essayez de le capturer. Ça ne fonctionnera pas toujours. Cependant, un Pokémon en pleine santé peut s'échapper. Vous devrez être chanceux. Bon, je pense que c'est tout. Je vous souhaite à tous les trois une bonne chance. Oh, je me souviens. Ma sœur est sur le point de partir. Smell you guys later. Ok. En gros, il nous dit au revoir. Bon, à la prochaine, quoi. Merci pour tout, professeur Chen. Faut que j'aille voir déjà pour récupérer la carte. On va commencer par soigner ces petits Pokémon. Voilà. Faut que j'aille récupérer la carte. Et après, direction... Ah, c'est Daisy, donc c'est la sœur aînée de Blue. Ok.
Donc, hé, hey, attends! Je dois aussi quitter la ville. Mais puisque mon grand-père a été assez gentil avec vous pour vous donner des Pokémon à chacun, je décide aussi d'avoir un présent pour vous. Enfin, un cadeau. Et on reçoit la map. Et la CT27. Pas mal, CT27 retour. Et les running shoes. Cool. Bon, là, nous explique comment fonctionnent les chaussures de course. Ah oui, enfin, là, nous fait. Pourquoi est-ce que je dois partir? Eh bien, j'ai des affaires très importantes à m'occuper. Mais j'ai peur de ne pas pouvoir t'en dire plus. Je veux que ceci soit une surprise. Bon, on se revoit plus tard. Moi, j'ai comme un pressentiment que c'est le maître de la ligue. Je sais pas pourquoi. Est-ce que des choses importantes à faire? On se revoit plus tard. Ça pue quand même. Bon, je vais pas capturer Dratata. Oh, ouais, non. Ça aurait pu être pratique, mais non. Donc on va se retrouver. J'aimerais bien faire une petite capture quand même. Une ou deux. On va peut-être prendre un petit pigeon avec nous. Ok. Alors, on va prendre un petit pigeon. Non. Ah, 10 potions qu'elle nous a données quand même. Elle a été gentille, la madame. Donc, Pokéball. Et un pigeon avec nous! Ouais! Ça, c'est vu. Donc, pas de surnom. Et puis, peut-être une autre capture s'il y a entre-temps. Ratata, ouais, mais niveau 2, non, je vais éviter. Parce qu'après, je vais faire du level up pour les mettre à peu près tous. Après cet épisode-là, juste après. Pour les mettre tous au même niveau. Donc, si je pouvais éviter d'avoir trop à faire, ce serait cool. Bref. On va lancer directement la balle, voir ce que ça donne. Et bah voilà. Et en plus on a un petit rat. Ça, c'est fait. Donc deux captures dans cet épisode, ça commence plutôt bien. Et on va pouvoir continuer, sauf qu'on va bientôt s'arrêter. Et oui. Je ne compte pas aller plus loin que Jadiel pour cet épisode. Donc il y a un épisode un peu... Oula! Finalement, j'ai rien dit. Pense à toutes les possibilités. Tu peux devenir riche. Tu pourrais devenir riche. Don't fool me one bit. Ne me prenez pas pour un fou, peut-être. Aucun de vous. Ah, j'ai le nez qui me gratte. Aucun de vous n'est riche. Seul votre boss l'est. C'est pourquoi votre bas niveau. That's why. Yo, low level grunts. C'est pourquoi. Ah non, c'est pourquoi. Vous, les voleurs de bas étage, vous n'avez pas de. Vous n'avez jamais de Pokémon puissant. Tu pourras garder ton Pokémon si tu nous rejoins. Allez, poto. T'es fort. Join us. Rejoins-nous. Ou alors. Is that a threat? Est-ce que c'est une menace? Whatever, guys. I'm calling the police. Ok, les gars, j'appelle la police. You're messing with an ace trainer. Tu es en train de parler avec un. Je pense qu'on pourrait dire un top dresseur. La catégorie Pokémon top dresseur. Je peux tous vous mettre KO. Il se prend pas pour une petite merde, lui. Hey, toi, est-ce que tu connais la Team Rocket? Nous sommes une organisation qui recherche des Pokémon et essaie de trouver comment les Pokémon peuvent être utilisés pour nous faire des. Enfin pour faire des profits dans le sens financier. Des profits. C'est amusant et c'est génial. Tu devrais nous rejoindre. Attends. Tu veux pas nous rejoindre? Ah, j'en ai marre de ça. C'est pas cool.
Ah putain, des combats. Ok, bon bah finalement on se quittera un petit peu plus tard que prévu. Je pensais pas faire ça là. Je pensais même pas qu'il y avait ça. Bon, c'est pas pour dire, mais je fais quand même quelques traductions boiteuses, hein. Ok. Et devant. Encore un ratata. Donc je vais lancer écume. J'espère juste que mon carapuce va pas succomber aux attaques, parce que sinon après les autres ils sont faibles quand même. Non, c'est bon. Tu me fais pas. Ouais, merde. Un PV. Ça c'est cool. C'est un bâton. Ok. Pas mal la musique de fin de combat. Like I was going to win. Comme si j'allais gagner avec ces Pokémon de bip. Enfin de merde quoi. Eh les gars, ce traîneur qui est. Ce dresseur qui est parti en courant un peu plus tôt a appelé la police. Dégageons d'ici. Ah, c'est le sprite du mec dans. De notre rival dans Or Argent Cristal. Enfin, dans le remake dans Or Art Gold et Argent Soul Silver. Bon travail! Laisse-moi soigner tes Pokémon. Mon nom est Kamon. Ah, bah le voilà! Tu as fait le bon choix. De pas en ne joignant pas cette bande. Ils sont incroyablement faibles et pathétiques. Quand il disait que la Team Rocket essayait de trouver des moyens d'utiliser les Pokémon pour faire des profits, il ne t'a pas dit les détails qui se cachaient derrière tout ça. Ce qu'ils font vraiment, c'est voler des Pokémon rares ou des Pokémon puissants et ils les vendent pour se faire beaucoup d'argent. Et ensuite, ils utilisent cet argent à des fins cruelles pour faire des expériences sur les Pokémon. C'est assez. Ça pourrait se traduire par assez gerbant. Comment je sais tout ça? Ah, t'inquiète pas. La Team Rocket doit être dissoute. Voilà, c'est ce que j'ai cherché tout à l'heure. Doit être dissoute. Dissoute. Essayez de recruter des dresseurs qui sont déjà forts au lieu de. Au lieu d'entraîner leurs membres actuels. Et ça, c'est vraiment pathétique. Pour changer de sujet, j'ai vu tes Pokémon. Enfin, ton Pokémon. Tu l'as eu par le professeur Shen, n'est-ce pas? Tu dois être un des dresseurs du Bourg Palette qui part pour relever le challenge de la Ligue Pokémon. Voyons voir à quel point tu es fort. Non. Eh ben, non, ça aurait été un épisode de combat aujourd'hui quand même. Hein. C'est pas mal. Alors, Kamon, toi tu as ni droit ni mal. Ok. Pic pic. Critical hit. Gros yeux. Ok, donc moi je vais lancer après écume. Essayer de baisser sa vitesse. Oh non, il a point poison le salaud. Putain. Et en plus, il a une baie. Une baie au rang. Salaud. Pic pic. Allez, baisse sa vitesse. Non. Pic pic. C'est que ça me plaît pas, il va finir par me mettre KO. Tu veux vraiment pas baisser sa vitesse, hein? Pic pic. Bon. Ah ouais, mais c'est un peu tard. Bon, c'est pas très grave, j'en ai encore deux autres derrière, heureusement. Alors, qui je vais envoyer? Ah oui, Ratata vitesse 12. Et en plus avec Vive Attaque, je prends. Non mais genre, t'as une potion quoi.
Salut! C'est dégueulasse! Alors on va faire Tail Whip. On va essayer de la jouer un peu plus stratégique du coup. Même si je risque de me prendre le point poison à un moment ou un autre. Ok, bon il me reste plus que le petit pigeon de Roukoul. Ok, il reste rapide, c'est bon. Bon, c'était chaud quand même. Hein. Comme quoi, la Rome a quand même un bon niveau. Niveau 5. Ouais, j'ai de sable. Presque niveau 6. Pas mal. Ouais, c'est vraiment le sprite du rival dans Hard Gold et Argent Soul Silver. Je déteste la Team Rocket. Je vais les détruire une fois pour toutes. Et si quelqu'un se met sur mon chemin, je vais tous les détruire. I'm going to destroy you. Ok. Et on remarquera au passage que les boutiques Pokémon ont été, comme dans la 5G, fusionnées au centre Pokémon, ce qui est plutôt pas mal. Franchement, c'est cool. Bon, c'est un truc qui m'a un petit peu dérangé dans la 5G, mais là, ça me dérange pas plus que ça. On voit au passage ce qu'ils ont à vendre. Et on va pouvoir s'arrêter là. Ce qui est... Non. Ce qui est déjà pas mal pour un épisode d'intro, on est à 38 minutes, sachant qu'il y aura un tout petit peu de montage, on sera peut-être à 36-37 minutes. Donc voilà, c'était tout pour ce premier épisode de Pokémon Dark Violet. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu et que cette série vous plaît. Donc nouveau hack, hein. Franchement, je pense avoir fait une bonne pioche avec celui-là, il a l'air vraiment sympa. Les musiques sont cool, le niveau graphisme c'est sympa, niveau univers. Plus nouvelle histoire, plus nouveaux rivaux. Enfin, nouvelle histoire, pas vraiment, mais nouveaux rivaux. Donc ça a l'air sympa. Maintenant, j'attends de voir ce que va donner le reste. La Rome a l'air d'avoir un bon niveau. Donc, maintenant, voilà. Hein. Vous retrouverez dans la description le lien pour pouvoir télécharger la Rome. Et moi, pendant ce temps-là, je vous dis portez-vous bien. Et au prochain épisode. Et salut tout le monde.